Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. Et aujourd'hui, c'est une émission où on va avoir une interview avec Grégoire Cuvier pour parler d'une pièce de théâtre un peu particulière. Bonjour Grégoire, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens ? Bonjour, alors oui effectivement, donc je suis Grégoire Cuvier, je suis auteur, metteur en scène et acteur et Montrougien depuis une bonne douzaine d'années. On peut peut-être commencer par ça, est-ce que vous pouvez me parler justement de Montrouge, vous là, Montrouge, du coup 12 ans, est-ce que, quel est votre ressenti de Montrouge ? Mon ressenti, je suis très bien dans cette ville, parce que je dis souvent un peu, c'est vrai quand souvent je parle de cette ville, je dis, c'est la première fois que je me sens vraiment chez moi dans une ville. J'ai beaucoup déménagé enfant, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu en région, j'ai vécu dans plein de villes, j'étais quelques années à Tours, ce qui n'est pas sans lien avec les fleurs de Maccabée, et je suis arrivé avec ma fille aînée qui avait 2 ans à l'époque à Montrouge. Et c'est vrai que voilà, m'installant ici, c'est vraiment, il s'est noué avec cette ville des liens particuliers. Alors peut-être aussi liés au fait d'avoir des enfants, mais en tout cas vraiment le sentiment, d'être ici chez moi, d'avoir une vie sociale vraiment liée à ce territoire, aux gens qui l'habitent. Montrouge pour moi c'est un plaisir parce que dès que je sors, ne serait-ce qu'acheter une baguette, il est rare que je croise pas quelqu'un que je connais. Même si c'est pour se dire bonjour 2 minutes, il y a vraiment une vie de quartier comme ça que je trouve très riche. Et absolument réjouissante. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la pièce de théâtre, donc Fleurs de Maccabée, qui va être le 11 novembre, du coup, à Montrouge? Pourquoi elle est si particulière? Très concrètement, elle a la particularité de vous inviter au théâtre pour une grande histoire qu'on va vous raconter pendant 9 heures. Alors, bon, 9 heures comme ça, ça paraît très impressionnant. Déjà, il y a des entractes, hein, c'est ponctué d'entractes. Souvent, les gens nous disent que quand les entractes arrivent, ils n'ont pas du tout envie de sortir de la salle. Donc, pour donner un peu un ordre d'idée du ressenti quand même, de cette durée, le temps, la perception que nous avons du temps, elle est relative. On le sait très bien hein, qu'une heure de cours ou une heure de rendez-vous administratif, ce n'est pas la même chose qu'une heure au bord de la plage. Y a un endroit dans le monde où le temps est encore plus relatif qu'ailleurs, je crois, c'est le théâtre. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des tunnels interminables de 45 minutes, comme vu des pièces qui pouvaient durer jusqu'à 13 heures, en ayant le sentiment d'un temps qui file à toute allure. Voilà, vous passez cette journée à une vitesse incroyable et quand la journée s'achève, quand le spectacle s'achève, vous auriez envie que ça dure encore un peu plus longtemps. Et notamment parce qu'on suit une intrigue policière, donc une intrigue avec beaucoup de suspense et voilà, c'est ça qui rend aussi l'aspect très... qui fige le temps. Tout à fait, alors qu'il ne le fige pas, au contraire qu'il l'accélère. Oui. Ou je ne sais pas, peut-être oui, mais le figer pour qu'on l'enjambe. Autre particularité effectivement de la pièce, c'est que c'est une pièce qui s'inspire énormément des séries policières qu'on peut voir à la télé ou sur les plateformes, de l'univers policier en général. Je me suis aussi beaucoup inspiré de romans policiers, de romans d'auteurs de polars français comme Caryl Ferré par exemple. Donc effectivement, c'est une enquête policière. On est dans un polar avec toute la tension et le suspense qu'on retrouve dans ce type d'univers. Et effectivement, comme ça, on est hameçonné. Et on avance avec l'envie de découvrir ce qui se passe, de comprendre. La pièce s'ouvre avec la découverte d'un corps d'une femme inconnue sur les berges de la Loire, puisque l'histoire se passe à Tours. Et la nuit où est déposé ce corps, disparaît une jeune fille de l'âge de 12 ans. Et c'est deux enquêtes qui vont nous emmener aux côtés de Margot Devron, qui est l'enquêtrice principale de cette pièce, entourée aussi d'une fine équipe. On suit cette enquête. Mais comme tout bon polar, il y a cette enquête, mais cette enquête, c'est aussi un prétexte à sonder notre nature humaine, à s'embarquer aux côtés d'un personnage qui est ébranlé dans son humanité. Je crois que c'est ça, les polars. Hein. Mon endroit, ça vient interroger beaucoup de choses. C'est un lieu où des hommes transgressent des tabous sociétaux, culturels, importants, comme tuer. Et d'autres hommes et femmes qui sont là pour rendre justice
mais pas n'importe quelle justice, pas la loi du talion, pas une justice expéditive, mais une justice sociale, culturelle également. Donc ça pose beaucoup de questions. Mais après, il y a un directeur de théâtre que j'aime beaucoup qui m'a dit « ta pièce, elle est shakespearienne ». Alors, au-delà du fait que je trouve ça très flatteur, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que dans les pièces de Shakespeare, ce qui est très beau, je trouve, c'est qu'il y a vraiment différents niveaux de lecture. Il y a une histoire qui peut être une romance tragique dans Roméo et Juliette, et qui peut être une histoire de jalousie dans Othello, qui peut être une histoire de pouvoir et de politique dans Hamlet. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Et puis derrière ça, il y a des niveaux de lecture qui sont politiques, qui sont philosophiques, et chacun, d'où il en est, de son rapport de spectateur, du rapport qu'il a avec le monde, va rentrer dans les différentes couches, différentes dimensions de ce spectacle. Je crois que Les Fleurs de Maccabée offre cela, une histoire, un polar, si je veux dire, on part d'un polar qui est une forme absolument populaire, absolument accessible. Le spectacle se rend de 14 à 94 ans, on fait mieux qu'Hergé encore. Et les gens qui en parlent le disent que, voilà, comme vous disiez, pendant l'entracte, presque ils ont envie que ça continue. Et puis il y a tout un moment aussi de groupes de personnes qui échangent pendant cet entracte, et vraiment ce côté partage qui existe sur cette pièce. Oui, alors effectivement, c'est comme une série Netflix au théâtre, mais en mieux, parce qu'on vit ça de manière très collective. Alors, collectif dans la salle, nous on se rend compte que les gens se parlent beaucoup aux entractes, se rencontrent, échangent leur point de vue. Il y a vraiment une dimension comme ça de groupe, parce que tout le monde est embarqué dans cette histoire folle, tout le monde vit quelque chose de fort et tout le monde essaie de comprendre. Donc il y a vraiment ces échanges jusqu'à ce moment de dîner qui, en général, alors nous on n'y participe pas malheureusement, mais tous les échos qu'on en a, des lieux qui nous accueillent, des spectateurs qu'on connaît ou avec qui on parle après la représentation, c'est que c'est un moment très joyeux et très que souvent les gens trouvent trop long. D'ailleurs, ils ont hâte de revenir dans la salle. On l'a réduit, cet entracte. Et puis aussi collectif, parce que les acteurs, ils sont pas derrière un écran, ils sont sur scène. Et moi, qui suis à la fois dans la salle en tant que metteur en scène et à la fois au plateau, puisque j'ai un petit rôle dans cette pièce, je me rends compte avec un ravissement sans égal qu'il y a quelque chose de particulièrement fort qui se passe entre la salle et le plateau. Quand on est sur scène dans cette pièce, arrive un moment où on sent la salle en ébullition, happé par l'intrigue. C'est très très fort. Et ça doit apporter sûrement une force aux acteurs pour qui ça doit être quand même une sacrée performance de 9 heures comme ça, enfin de pièces. Oui, 9 heures, mais après vous parliez d'ébullition, je crois que c'est un petit peu l'état dans lequel on est, parce que nous aussi, cette enquête, en fait, à chaque fois il faut la résoudre, à chaque fois on recommence au début, et à chaque fois il faut retrouver, et il y a cette énergie-là qui nous porte. Effectivement, l'énergie de la salle, l'accueil du public nous porte complètement. Des fois les gens ils nous disent, mais vous devez être crevé, arrivé à la fin. Mais en fait, pas du tout. Arrivé à la fin, on est dans un état comme ça, on est avec cette énergie, parce qu'on reçoit... Oui, plus que l'adrénaline, c'est vraiment, il y a quelque chose, on reçoit quelque chose de si fort et si généreux de la salle qu'on est complètement porté par ça. Et justement, cette salle, est-ce qu'on peut en parler ? Parce que c'est vrai que c'est en tant que Montrougien, à la salle Mobius du Beffroi de Montrouge, qu'est-ce que ça vous évoque ? Effectivement, je suis très content de jouer à domicile. C'est la première fois que ça m'arrive, à Montrouge en tout cas, c'est sûr. Je crois que je suis vraiment ravi que ce soit avec cette pièce-là que ça arrive, parce que c'est vraiment pour moi une pièce... déjà où je pense que je suis très sincère dans qui je suis, c'est vraiment une pièce qui est très proche de ce que je suis, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension tragique, mais il y a aussi beaucoup d'humour, ça c'est peut-être une dimension importante, c'est que on n'est pas que stressé et tendu tout du long, il y a énormément de décompression par le rire, parce que certaines situations et certains personnages... Il y a ça de magique au théâtre, hein, c'est qu'on peut vraiment mélanger le grotesque et le tragique bien plus qu'au cinéma ou à la télévision, et ça c'est peut-être une expérience particulière qu'on peut avoir avec cette pièce. Donc oui, jouer à Montrouge dans cette très belle salle, la dernière fois que j'y suis allé c'était pour l'inauguration de ce magnifique rideau de scène, donc je suis ravi de le retrouver et on va l'utiliser évidemment. C'est clair.
Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Grégoire pour cette belle interview et on a hâte du coup d'être au 11 novembre pour découvrir Fleur de Maccabée et cette expérience sociale. Et nous aussi, on brûle d'impatience. Voilà, et puis on voit que vous êtes nombreux à répondre présent pour goûter à cette expérience. En ce moment, je fais des petites interviews de spectateurs. Il y en a une spectatrice qui me disait il n'y a pas longtemps, me disait, mais rien que pour dire que je l'ai fait, rien que pour cocher ça dans ma vie, au moins une fois dans ma vie, j'ai vu une pièce de 9 heures. Et elle était ravie en plus de ça, mais au début, c'était ça. Elle se dit, allez, comme ça, c'est un truc que je pourrais le dire dans ma vie, j'ai fait ça une fois, je suis allé au théâtre pendant 9 heures et c'était magique. Ben en tout cas, vous avez dans la description de la vidéo, bien évidemment, les billetteries pour pouvoir participer, prendre vos places. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup, Grégoire, pour cette interview. Merci à vous, Sébastien. C'était un plaisir. Et puis, au plaisir grand de partager cette aventure, les Fleurs de Maccabée, avec vous. Merci.